Je vais aller plus bas. Mais vous voyez, il y a de la résistance. Donc avec ça, je peux faire quelque chose qui est plus qui rappelle plus le dessin au fusain. Parce qu'en fait, un des traits, on en parlait tantôt, c'est que dessiner, on ne peut pas vraiment faire de ligne, par exemple. Donc, c'est non. Pas, c'est moins le trait que la... C'est vraiment un instrument pour faire la tâche. C'est ça. Mais il y a une certaine souplesse. C'est ça, c'est qu'avec très peu d'efforts, on réussit à créer des valeurs de gris et à les moduler de l'avant et de l'arrière. Là, comme je suis sur le côté de l'écran, je peux passer ma main des deux côtés, mais si je suis au centre, là, je travaille vraiment avec... C'est hallucinant, quelle rapidité quand même, malgré tout, il y a une forme qui se crée. Mais là, il n'est pas souple du tout, hein, il est dur. Là. Puis donc, on peut faire toutes sortes de textures. De l'avant, de l'arrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui ont l'air d'être très longues à faire, qui ne sont pas si longues que ça. Puis, il y a des choses qui ont l'air d'être très faciles à faire et qui ne sont vraiment pas si faciles que ça à faire. C'est très... c'est une autre manière de voir le dessin.